Bonjour. Je m'appelle Sidou Keita, le photographe au Mali. Monsieur Mamadou, je suis photographe au Mali. Je suis reporter photographe. Monsieur Ahmed Lamine Keita, photographe ici. Tu es à l'école d'abord. Je suis à l'école Mamadou Konaté. Il y a à peu près 40 ans, je fais la photo. Mais j'ai cessé la photographie en 62, hein, à peu près, pour aller travailler pour l'État. Je ne peux pas croire que vous allez arrêter complètement de faire des photos. Si, même si j'ai fait la photo, peut-être c'est pour faire des reportages, hein, en brousse. Oui. Vous n'avez jamais fait de nature tellement, vous avez surtout photographié des gens. Oui, les portraits. Le portrait seulement dans les studios. Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que les gens venaient tout le temps me voir. Tout le temps, les gens sont là. Nuit et jour, hein, on travaillait. On n'avait pas le temps d'aller faire des reportages en brousse. Hein? Il y avait des pères de famille qui viennent me prendre ici pour aller faire des photos de famille. Lui, il est avec sa femme. Mm-hmm. Oui, oui. Parce que je le connais. Là. À cette époque-là, vous faisiez combien de photos par semaine, à peu près? Il faut dire par jour. Par jour? Par jour, je pouvais faire 40. Hein, du jour, la nuit. Ah ouais? Oui. Ah oui, il y avait foule alors dans votre studio. Oui, oui. 40? Oui, oui. 40 poses par jour. Hein. Alors, vous avez filmé tout Bamako, alors? Ah, mais je vous dis que j'en avais des clichés, des milliers de clichés ici. Les trois quarts est foutu. La photo, c'est quelque chose, hein? Ah, oui. Est-ce que au Mali, c'est-à-dire les gens ne connaissaient pas la valeur de la photographie. Badanka jurugadi, badanka jurugadi, dakamna jurubemelo bejurudong, sadimato, bamananga ingagile, bamananga ingagile. Aha, bamananga ingagile bedodo, aha, kelemetangaso, aha, kelemetangaso, aha, kelemetangaso, aha, kelemetangaso. Ce sont de belles images. Et vous travaillez, mais... vous avez travaillé comment? Vous avez travaillé l'appareil à la main ou vous utilisiez un pied? Oui, à la main, pas à pied. Lorsque je me suis fait payer une chambre, maintenant j'ai payé un trépied. Alors j'ai travaillé avec ça. Et qu'est-ce que vous préférez, le pied ou la main? Le pied avec les appareils chambre, oui. Sans quoi avec le transipose là, ça on le fait à la main. Bon, c'est ici mon studio. Le lieu où on fait la photo dedans. Ici, c'était la salle de réception. Il y a jusqu'ici des matériels dedans. Tu vois, ce sont les agrandisseurs, une tireuse, la lanterne et les cuvettes. J'ai photographié beaucoup de véhicules, hein, beaucoup. Mmh. Et ça, c'était quelqu'un parce qu'il était, il était fier de sa voiture. Oui, il est venu. Effectivement, oui, c'est fait photographier. Oui, oui. Il a voulu garder le souvenir de sa voiture. Elle est belle, hein. C'est une Cadillac. Oui, oui.